Bonjour. Bon, j'ai déjà appliqué le fond de teint là, ici. Hein, Yves Rocher, vous le connaissez. Hein. J'ai appliqué la poudre. Hein. J'ai fait mes sourcils toujours avec et toujours bien les coiffer avant et après. Ça, c'est une chose très importante. Hein. Alors, on va mettre là, ici, sur ce. On va faire un maquillage intemporel. Et ce sera très très joli. Alors on applique là un beige là de MAC. Un nude en fait, c'est un voile. Oui, c'est un voile. On en met sur toute la paupière mobile, voilà comme ça. Ensuite de la palette, de L'Oréal, je prends ce beige, ce chocolat là ici, vous voyez? Et je viens en appliquer là ici. Comme ça. Attendez, je reprends. J'en mets sur les deux faces. Oui, on fait que la moitié de l'œil là. Hein. On insiste un peu là quand même. Voilà. Ensuite, on vient flouter. Ça suffira. Là, c'est vraiment un maquillage pour tous les jours. Qui convient à toutes. Hein. Et je pense que c'est relativement important. Ensuite, on prend son blush. Qu'on vient appliquer là, toujours ici, au niveau de l'os, selon la forme de son visage. Attention, toujours. Hein. Ensuite, on applique là, ici. Bon, on va déjà faire une couche de récil. On prend le récil de L'Oréal, toujours faire attention. Là, la première couche. Alors, on va appliquer là ici. Prendre son doigt. Ici. Là. On va en mettre là. Et on vient tapoter, tapoter. Faut bien étaler, hein. Sinon, c'est pas joli, hein. Voilà. Voilà. Maintenant, on applique la seconde couche, désolé, de Ressil. Faire attention de ne pas en mettre dans ses cheveux. Voilà. Et maintenant, il nous reste le rouge à lèvres. Alors, on va prendre le 210 de Kiko, là. J'aime pas trop. Oui, c'était sûr.
Voilà. Ben, le maquillage est fini et là, je pense que c'est un maquillage intemporel et qui convient à toutes. Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.